Bonjour et bienvenue dans Osez l'avenir, votre magazine sur le web dédié à l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ITEX, le salon africain des IT, qui est organisé ici à la Foire internationale de Casablanca. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous car l'innovation dans le domaine des IT est essentielle. Il a été organisé ici un hackathon. Vous ne savez sûrement pas ce que c'est. On va demander à Mehdi Alaoui, qui est membre de la PBI et président de l'association Hack and Pitch. Qu'est-ce que c'est qu'un hackathon? Il nous répond tout de suite. Mehdi Alaoui, bonjour. Bonjour. Bon, en tout cas, on est bien installé ici. On est devant le stand de la PBI, ici à l'ITEX, le salon africain, premier salon africain des IT au Maroc. Et ça va nous permettre de parler d'innovation. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fameux hackathon qui a été organisé. C'est quoi un hackathon? Alors, un hackathon, ça vient en fait du mot marathon. Donc, c'est un marathon de développement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, par rapport à l'événement Africa IT Expo, donc on a fait un concours de développement d'applications qui a duré 30 heures, donc mercredi à 9h du matin jusqu'à jeudi 6h de l'après-midi. Alors, c'est un non-stop. Donc on a invité, on a eu 60 jeunes qui étaient inscrits au hackathon et qui ont constitué à peu près 6 équipes. Ils ont travaillé sur une thématique assez spéciale. À l'approche des élections, on s'est dit on va l'appeler Citoyen 2.0, comment mettre en relation les citoyens avec leurs élus. La définition, on va dire littérale, de l'hackathon, c'est un outil qui permet de faire sortir, qui est un levier d'innovation, qui permet de faire sortir les idées. On en a eu dans cet hackathon? Bien sûr. Alors nous, on va au-delà de l'idée. Parce que l'objectif de notre hackathon, c'est de sortir avec des prototypes opérationnels. Concrètement, pendant le hackathon, donc on va inviter les jeunes, on va les former sur le développement d'applications mobiles, on va les former sur les technologies de création de bases de données, on va les former sur l'art de pitcher, et puis on va inviter aussi un jury avec des investisseurs et un certain nombre de personnes qualifiées par rapport à l'innovation qui vont juger des projets présentés. Alors concrètement, on a eu 6 projets qui sont sortis du hackathon, dont 3 qui vont être primés ce soir pendant le dîner de gala. Et le gagnant recevra un chèque de 27 000 $. Alors le chèque de 27 000 $ qui est là. À tes pieds, ici. Exactement. Voilà. Alors, on est quand même ici dans un salon, c'est une première parce que c'est un salon africain, c'est un salon international, c'est pas un salon maroco-marocain. On voit beaucoup de grandes sociétés, de grandes boîtes. Est-ce que ce salon joue son rôle de levier d'innovation? Parce qu'on en a besoin de levier d'innovation. Est-ce que ça joue ce rôle-là? Alors, ce salon était une première pour la PBI. C'est important que le Maroc soit doté d'un salon de cette taille-là. Certes, c'est la première édition. Je suis sûr que les prochaines éditions seront encore plus intéressantes et plus importantes en termes de débouchés. C'est vrai que j'aurais aimé voir plus de stands de start-up et montrer tout le potentiel qu'il y a au Maroc. Parce qu'au Maroc, il y a un potentiel, mais ce potentiel-là, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et ça vient d'un certain nombre de freins qu'on connaît aujourd'hui, qui sont liés au financement, au mentoring, à la réticence de grandes sociétés de filer des bons de commande à des startups locales et préfèrent aller acheter 10 fois plus cher à l'étranger, ce qui est juste absurde, parce que la compétence aujourd'hui, on l'a. D'ailleurs, il y a énormément de Marocains qui arrivent à briller à l'étranger et qui arrivent à monter des startups juste incroyables, qui lèvent des dizaines de millions de dollars à l'étranger. En fait, c'est les mêmes cerveaux. Au Maroc, on en a, mais c'est juste qu'on ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer. Eh bien, c'est justement nous ce qu'on fait tout le temps dans Osez l'avenir, une fois par semaine sur le web. N'hésitez pas, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur Atlantique Radio tous les jours, avant les journaux de 8h30, 12h30 et 19h30. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Merci. Avec plaisir. Voilà. Et moi, je vous retrouve très bientôt. 27 000 $, 6 minutes d'émission. J'adore les nouvelles technologies.